Ok, donc ça, après, on tente comme ça. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après toutes ces vidéos LG, il est temps de repartir pour un UHC random. Il y a eu qu'une seule vidéo sur ce mode de jeu et elle date d'il y a un petit moment maintenant. Pour ceux qui découvrent le concept aujourd'hui, c'est simple, tous les crafts sont aléatoires. Si je crafte une pioche en bois, ça va peut-être me donner du diamant. Et si je crafte une pioche en diamant, ça va peut-être me donner un bloc de terre. C'est là où est toute la subtilité du jeu. Il faut connaître un maximum de crafts possibles et c'est hyper compliqué en 1.14 par exemple, où il y a des centaines et des centaines de crafts à connaître. Mais aujourd'hui, on retourne en 1.8. Ah, une version que je connais quand même mieux. La seule game en 1.8 que j'avais fait, c'était la saison 1 du UHC random, où ça s'était terminé par beaucoup de kills. Depuis, j'ai fait ce fameux UHC en 1.14, encore une fois en solo, et c'était tout. C'était à peine mon troisième UHC random, et celui-là était quand même différent. Premier UHC random en équipe auquel je participais. Et vous allez voir, ça demande une écoute parfaite de son teammate, ce qui est absolument impossible. Surtout quand vous jouez contre des viewers. En effet, ce genre de game viewer va continuer. On a bien kiffé le concept, vous aussi. Ça se passe avec les sub Twitch comme d'hab. Objectif, trouver un maximum de stuff possible et sortir victorieux de cette partie. En sachant que parfois, on peut du coup ne pas trouver de pommes d'or pour se régène. C'est là la difficulté surtout. Bref, on a trop parlé, on veut voir du gameplay. Alors du coup, c'est exactement comme le premier que. Enfin, comme le dernier que j'avais fait en 1.14, sauf que là, c'est 1.8, c'est ça. Et du coup, est-ce que ça drop automatiquement du coup des planches, c'est ça? Des planches, ça donne de la poule. Mais on a même pas de table de craft. Ah oui, on en a une du coup. Ah oui, on en a une, faut pas la faire. On en a deux. Oh mec, ça veut dire qu'on peut pas. Enfin, si on perd sa table de craft, on peut plus la faire, c'est ça. Mec. Non mais mec, je vais 100% oublier moi. Mais c'est sûr que je vais oublier en fait, mec. Hein. Ok, j'ai une ping banner. Attends, est-ce qu'on peut faire des trucs avec la ping banner? Non, on peut rien faire. Ah, du coup, quand tu fais cuire, ça fait des trucs aussi aléatoires du coup. Et est-ce que les différents types de bois font des trucs différents aussi? En mode oui, genre. Bien sûr. Ouais, des pink carpets. Effectivement, les vitres avec le glace, vous avez raison. À chaque fois, j'oublie à chaque fois de faire ce truc. Ok, donc ça, après, on tente comme ça. Bon bah mec, j'ai un plastron diam ça. Ah oui, mais c'est bon, t'inquiète, hein, c'est normal. Mec, on a à peine de commencer, au bout de 2 minutes de jeu, mec, je trouve le crâne du plastron diam. Oh, de la bouffe, mec. Ok, donc avec les moutons, on peut avoir de la bouffe cuite. Ouais. Tu sais, en 1.14, on peut avoir des sticks dans les arbres, mais là, tu sais, on peut pas du tout, genre, en fait. Du coup, pour les sticks, c'est la merde, en fait, je suis en train de me dire. Hein. Après, pense à bien casser les fleurs et, tu sais, à faire du dye avec. Je vais essayer celle-là. Et ça fait pas un colorant, ça, si? Ça fait un colorant, ça? Ah si, stone pressure plate. Ah, mais tous les outils. Ah bah non, on a pas de stick. Putain, merde. Bah oui, mec, bah oui. Ok, je vais prendre quand même au cas où on va aller dans les heures. C'est bon, on est sauvé. C'est avec, tu sais, tu fais du polichet granit. Comment tu fais ça? Bah tu sais, c'est 4 granites en carré. C'est ça le granit? Ouais, mais j'en ai pas assez pour l'instant. Ça c'est de l'andésite, je vais essayer de la polichet d'andésite pour voir. Ok, donc c'est bien ça, ouais. Ok, nickel. Ok, on a les sticks, déjà c'est pas mal. On a les sticks, on a le plastron diams, on a un petit départ. Attends, on est d'accord que si tu fais cuire... Non, tu peux pas faire cuire un stick. Oh, j'ai trouvé les diamond boots. C'est quoi? Faire cuire un fer. Ok, bon, les Diamond Boots, tout le monde va les avoir du coup. De toute façon, c'est jour 3 à PVP, hein, donc on a le temps. Ah oui, donc il y a le time, effectivement, ouais, on pourra même aller dans le Nether hein, en vrai. Le lapin, attendez, on va faire dans l'ordre, vous inquiétez pas, parce que là je peux pas descendre. Surtout vu qu'on a pas les gapples. Ah oui, faut faire cuire les. J'ai oublié de faire cuire, donc là il y a le lapin à faire cuire. Surtout que vu qu'on a pas de gapples, il faut faire très attention à pas prendre de dégâts de chute, parce que les gapples là pour l'instant c'est. Il y a des gapples au kill de toute façon. Ouais, y a, c'est comment, c'est une ou deux gapples au kill? Une. Donc en gros, si on tue une team, on a deux gaps. Donc faut faire attention aux dégâts, c'est super important de pas prendre de dégâts à ce moment-là, parce que si jamais on vient à perdre de la vie et qu'on peut pas faire des kills autres, enfin qu'on peut pas avoir des gaples autres qu'en faisant des kills, ça va être vachement compliqué. Tu sais ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver des moutons et avoir de la laine, tu sais, qu'on puisse la colorer de toutes les couleurs. Ouais. Du coup, vas-y, je vais me balader un petit peu, on va essayer de trouver des trucs. On va essayer de crafter l'armure en cuir. Qu'est-ce que on peut faire d'autre? J'ai fait tous les outils. Bon, le bloc de charbon, c'est définitivement de la merde, t'emmerdes pas. Diable, mec. Mais what the fuck, mec, on a tellement de chance. En bois. Ok, stylé, mec, parfait, putain. Mais mec, j'ai toutes les carpettes du monde, ça y est. Après Ikea, on est passé sur. C'est quoi les magasins de, tu sais, de tapis? C'est quoi les magasins de tapis? Maintenant, je suis un vendeur de tapis là, c'est bon maintenant. Oh, j'ai un beacon, mec. Mec, on va être déjà archi cheaté. Hein. Tu sais que là, en vrai, on trouve la table, on va être tellement bien déjà. Je suis en train de me dire. Hein. Parce que du coup, mec, on est trop bien stuff dès le début de game. Genre, on a tellement de trucs de ouf. Hein. En vrai, tu veux pas qu'on tente après le Nether aussi? La dernière fois, je suis pas allé, on peut tenter des trucs dans le Nether. Ouais, bah en fait, il y a tellement de trucs à faire encore dehors que. Ouais, bien sûr. Ok, bon, au moins on est full stuff déjà. Il nous faudrait par contre du coup l'enchant maintenant. L'objectif c'est table d'enchant et gapple. Ah oui, après il faut que je reteste du coup le truc en diable. J'en ai là. C'est quoi que tu veux tester? Ça me drop ça. Le jukebox c'est de la TNT, mec, yes. Une pelle, effectivement, on peut faire une pelle en diams qui drop un redstone repeater. Qu'est-ce qu'il y a dans l'épée, j'ai déjà fait. Oh, essayé, quoi. What the fuck, mec? Le craft de la torche de redstone donne une torche de redstone. What the fuck, mec? Mais ça va le faire, mec, tranquille. Le PVP dans 15 minutes, mec, on va. C'est bon, hein. Tu veux m'écho après pour mon. Ouais, on va se retrouver après, t'inquiète. La rod qui donne une table de craft. On a réparé le problème de la rod, si jamais. Ah bah, y'a déjà du. Bah, t'es sûr que le PVP c'était épisode 3? Parce que j'ai pas l'impression quand même, hein. Ah, j'ai pas l'impression que c'était épisode 3 quand même, hein. Comment c'est possible ça? Y'a les chevaux ou pas, mec? J'entends me dire. Ouais, y'a les chevaux. Tout ce que tu veux, mec. Oh, mec, ça va. Je veux un cheval. Avant la fin de cette game, je veux un putain de cheval, gros. Oh, fuck, j'ai tellement de trucs. Est-ce qu'avec ça, je peux faire des items avec ça? Putain, j'ai trop de trucs. Ah, c'est bon, il a été revive. Ah, yes, bah ça marche bien en tout cas. Ah, bah super. Bon, moi, je vais continuer à avancer parce que là, du coup, on va pas tarder à se rejoindre, peut-être, non? Je pense qu'on va aller Nether en vrai. Tu es où? Je suis en train de galérer à récupérer ma table de craft. Ouais, ça, à mon avis. En fait, il me faudrait. Si tu trouves des moutons sur le passage, prends-les parce que du coup, j'ai plein de petits colorants pour les moutons qui peuvent être super sympas. Donc. Trop de mecs autour de moi, mec. Ah, bah, amène-les, Faites pas ça, les gens.
Amène-les, hein. Franchement, mec, on a tellement de stuff pour le PVP là. On les. De toute façon, à partir du PVP, nous on trouve quelqu'un, on y va. Hein. Ouais, ouais, du coup, le note bloc on a déjà fait. Putain, mais il remeurt deux fois du coup. Là. Ah bah voilà, cette fois du coup. Ah bah là c'est mort là. Mec, regarde tous les gens qui sont à un demi-coeur, mec. Le Nether, du coup, 190, 12, 470. Ah, j'ai encore du Diams. Le fameux X-ray quand même. Hein. Là, on est sur du X-ray pur et dur là. On est en train de se faire un petit portail des familles. Regardez-moi ça, je vous craft ça tout de suite. Les Gapple. Ah, j'ai pas de pommes encore. Levier et table de craft. C'est fait, le levier et la table de craft. Il y a une lumière qui s'allumait tout seul, vous avez vu? Ah, c'était là, t'es là, si je te vois. Allez, vas-y, mec, j'ai trop envie d'aller dans le Nether là. Allez, il va y avoir du PVP là, je sens là. On va se taper là. Bon, bah, let's go! Attends, je voulais tester des crafts deux secondes, mec. S'il faut, on va avoir la table d'enchant et vas-y, tout. Vas-y, no problème. Parce qu'attends, repeater et tout, on peut pas faire. Craft en redstone. Le craft du dropper. T'as pas la hache? Bah ouais, bien sûr, la hache, c'est plus fort. Le craft du dropper qui donne un iron chestplate. Est-ce que tu aurais de l'or sur toi? Ou tu te rappelles comment on fait? Ouais, j'en ai un, ouais. Comme merci, ça. Mec, merci pour tout ton or incroyable, regardez-moi ça là. Y'a un mec! Quoi? Ouh! Mais mec, il m'a fait trop flipper, gros! Mec, y'avait un mec qui est venu, il est mort là! Il est mort! Vas-y, attends! Ah, mais attends, mais t'as pas d'arme, toi! T'as pas d'arme, il faut que je te donne une arme! Bah ouais, non, j'ai rien, vas-y, on va tout! Mais qu'est-ce qui vient de se passer, gros? J'ai rien compris, non, je suis là! Vas-y, donne-moi ton or, donne-moi l'or! Fais une hache en or ou en or et tu as la hache en diams! Vas-y, go! Nice! Bon, bah vas-y, attends, la table, faut la reprendre, la table de craft! Ah oui, c'est la mienne celle-là! Vas-y! Regarde la, tu me la donnes après! Oh putain! Y'a un mec! Bah il est mort. Ça règle le problème du coup. Mais du coup c'est chiant parce qu'il est mort dans le. Pas tout à voir. Mais, hein. T'es parti où? Je suis à côté, gros, je suis en train. What the fuck, gros, on en parle ou pas de ce qui vient de se passer là? Non mais. Oh mec, j'ai un livre, on peut écrire dedans. On peut raconter nos histoires dedans, mec. Qu'est-ce qui vient de se passer, ouais. Bah du coup là y'a moyen qu'il y ait des gens qui arrivent, ouais, effectivement, ouais. Là y'a des mecs. Ok, vas-y, chope-le. Ok. C'est bon. Bien joué, gros. J'ai pris la blinde de dégâts par contre. Hein. Je t'avouerai que j'ai pris la blinde de dégâts, mais c'était. Moi j'ai pris un cœur et demi. Attends, j'ai moins 4 cœurs, gros. Ils avaient des trucs. Attends, ils ont un arc, non. Mec. Ah, ils ont l'arc. Ils ont là une diamond. Et les gapples, elles sont où là-dedans? Pickaxe, mec. Ouais, je vais te donner les gapples. Ouais, parce que là, du coup. Ok, ça se passe bien. Ça va. Bah là, parce que moi j'ai l'arc, hein. Du coup, mec, je peux jouer à l'arc, je peux boss spam avec un cheval, mec. C'est quoi que t'as ramassé là? Par contre, gros, moi j'ai moins 4 cœurs et demi. Le mec a chopé les deux. Oh, y'a quelqu'un encore, putain. Y'a encore quelqu'un. Ah, ça lag un petit peu, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, ça lag un peu, ouais. C'est le stuff qui passe à travers. Ah, c'est chiant ça, par contre, là. Si on meurt là-dessus, par contre, je rage. C'est bon, c'est réparé. Il est parti. Ah, putain. Oh, j'ai failli mourir, mec. Et ouais, bah ouais, forcément, avec les lags, mec, qui passent à travers le portail. Aïe. Faut qu'on prenne les trucs et qu'on se casse, mec, parce que niveau gap, là, du coup, j'étais obligé de manger. Y'a un autre qui est. T'as 4 cœurs là? Bon, ça, je prends. Ah, c'est bon, j'ai encore 2 gapples, ça, sur moi, là. Moi je me casse. Sodo. Ah ouais, il y avait des sodo. Ouais, mais j'ai pas de sodo, c'est pas grave. Putain, mais ça s'est enchaîné, mec, hyper rapidement. J'ai encore 2 gapples, moi. J'ai 4 cœurs en moins, t'as combien, toi? J'ai je dois gap une fois, en gros. De toute façon, on garde au cas où, comme on était tout à l'heure, genre j'avais moins 4 cœurs et demi, on en a gardé une chacun, quoi. Ah, on peut essayer, mec. On a pas de livre. Parce qu'on pourrait faire la table d'enchant, le craft de la table d'enchant. Ouais, de la laine, s'il te plaît, ouais, carrément, ouais. Pour faire ça, qui donne un colorant rouge, qui donne une. Yes. Ah, intéressant. Mais ouais. Bon, tu sais quoi, viens, on retourne dans le Nether. Ouais, bah on peut tenter, mais on essaie d'aller chercher de la Netherrack. Attends, on va essayer de brûler le stuff avant. Bon, là, il y a tout le stuff, voilà. Là, il y a tout le stuff qui reste. Ça te dit pas, on se casse, genre, on mine? Parce qu'à force, il y a des gens qui vont arriver, ils auront plus de vie que nous, on va se faire détruire. Hein. Attendez, on va faire les crafts après, faut qu'on se barre un peu. Épée fer, ouais. Le quartz, le bloc de quartz. C'est plus fort que la diamond? Bah, c'est la même chose, mais on prend pour faire les sharpness au pire, déjà après. Oh bah mec, oh, y'a déjà quelqu'un qui est passé par là. Ok, les escaliers qui donnent des glass bottles pour faire des potions. Et ça donne du quartz de faire la dalle, quoi. Bah on peut faire direct les blazes et tout, et on peut essayer de faire le, comment on appelle ça là? Ah oui, les blazes, on peut, ouais, on peut craft les blaze rods. Et faire aussi l'alambic, le craft de l'alambic. Bah viens, on va plutôt par là alors. Ouais, ça fonctionne, ah, ok. Bah je brûle. Ah, ça c'est problématique. Ça mais, c'est quand même... J'ai de quoi, bah c'est bon, j'ai de quoi tester Alors mec, si on trouve de quoi avoir l'alambic, mec, on est riche, hein, parce que j'ai le glistening melon et les fioles. Hein. Je t'avouerai que ça se passe plutôt bien, mec. Hein. Ouais, bah là, du coup, tout ça pour rien, des risques pris pour rien, c'est super. Mais non, c'est pas pour rien, il faut tenter, au moins tu sais maintenant que ça fait plus. Du coup, les blazes, bah les couilles, ça donne rien de plus, les blazes, en fait, y'a pas de craft intéressant à faire. C'est ici, y'a un mec. C'est vrai? Ouais, c'est Marsh, Hume et jus de pastèque. Ils sont mal en vie. Merci Warren pour ton host. Attention mec. On va passer par dessus. Il contourne. Ils sont là. Attention gros. Hein. Vas-y, attrape-les. Il y en a un qui est mort. Derrière toi, mec. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Et l'autre là.
Attends, je prends la gap. Gapple. C'est bon, je l'ai eu. Yes. Ah mais du coup ça m'a pas droppé la gap si c'est bon. C'est bon, okay. Ça se passe. Oh putain, par contre mec, j'ai trop peur hein, parce que je les ai vus gap, je me suis dit c'est la douille là. Et que j'ai 26 diamants gros, tu te rends compte un peu l'idée ou pas genre. Ok, par contre du coup les gapples c'est un peu compliqué moi. Et par contre j'ai besoin de gap, ouais. Je veux bien être gentil Magic, mais à un moment donné il faut partager. Mec, ça va, 5 minutes hein. T'as combien de gapples là? J'en ai plus, je t'ai tout donné. Ah bah ça va, j'ai moins 4 coeurs monsieur. Avec la netherrack y'a rien à faire. Ah si, la faire cuire mec. Oh j'ai les mec. J'ai 39 livres gros, on en parle ou pas là? Ah bah mec, on peut tester la table d'enchant. Ils ont trouvé les bibliothèques ou ça se passe comment? Enfin ils ont trouvé le... On peut tester la table d'enchant. Vas-y mec, on va faire ça tout de suite, je vais miner le portail. Fais bien attention ici hein, mec, hein, parce que là c'est vraiment dangereux ici. Ah ouais, je suis content parce qu'en même temps on prend pas trop de dégâts sur les fights, on joue plutôt pas mal. Ça va. J'ai un peu peur qu'il y ait des gens qui nous attendent par contre, on va pas se mentir. Tu veux pas qu'on repasse au pire, on mine de l'autre côté? Ça sera plus safe je pense hein. Vas-y je passe. Mec, attends mec, j'ai tout le fer mec, je peux faire tellement de trucs en fer. J'ai une rod. Ils ont dû tester mec. Ça maintenant. Merci, je peux faire ça. Pour le risque, ça. Oh avec ça je peux faire des trucs, non? On peut pas faire des briques avec ça, genre des briques particulières genre? Yes mec, regarde mec, je suis trop content. Table d'enchant ça donne ça. Ah ça fait plaisir ça les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du fer en plus? Je suis en train de me dire, attends, je suis en train de cliquer sur fer. Utilisation. Alors barreau de fer, bloc de fer, botte en fer, bouclier on peut pas, boussole on peut pas, briquet. Si mais attends parce qu'il faut que je laisse parler ma mémoire, attends actuellement. Ma mémoire qui me fait penser, qui me semble le piston. T'as pas du bois s'il te plaît sur toi parce qu'il me semble que ma mémoire me dit que c'est comme ça. Un cobble de chaque côté et après c'est redstone et fer. Ouais, tu veux que je peux avoir des petites pumpkin seeds quoi. Ma mémoire a bien parlé les gars. Attendez, après ma mémoire me dit qu'il y a aussi des plaques de pression en fer à tester aussi. Qui drop du... Ouais ok ma mémoire. One eternity later. Oh bah mec. Quoi? Bah j'ai un casque en fer, c'est mieux que notre armure. Allez, du coup qu'est-ce qu'on fait? On se casse? On tente d'aller trouver des gens, on tente un petit cheval là? Qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah y a un mec en... Ah non c'est toi, t'es déjà remonté. Non y'a un mec pour de bon, y'a un mec. T'es où, je te vois pas mec? Non, on est à côté du 0-0, moi je suis en train de remonter, je suis en sneak. Ok il m'attend, il met des blocs au-dessus. Putain le boss quoi, il est trop fort. Salut ça va? Putain, qui casse ce mur. Oh! Y'a un mec! Je suis vraiment un marchand de tapis, gros. Hein. Sérieux, depuis le début de la game, j'ai fait tous les tapis du monde, mec. Je les ai tous faits maintenant. Après Ikea, c'est les tapis. Y'a pas de chevaux par là. Si tu vois un cheval, tu gueules cheval. Ah yes! Ah, y'en a un deuxième. J'espère qu'il sera. Attends, on va tester les plus rapides. Non. Moi... Il a pas de vie en plus, je le tape pas. Non, mais le tue pas, mec. Pourquoi tu le tues? Parce que pour mon plaisir. Je veux pas que t'aies de cheval, c'est tout. Ah, j'en aurais un, mec. C'est trop kiffant, mais pense à Magic, il n'a pas de cheval. Bah ouais. Bah, il se débrouille. Il avait qu'à trouver un truc. Il a qu'à se démerder, Magic. Oh là là, attends, on est pas. C'est pas. Hein, ça suffit maintenant. Ouais, il va voir son cheval. Hein. Vas-y, attrape-le, vas-y. Vas-y, attrape-moi. T'as même pas d'arc. Il y a un mec là, il est pas stuff. Merde. Tu m'expliques ce que je fous là, tu m'expliques là? Tu sais ce qui se passe là? Allô? Ça va quoi? Oh le bâtard putain, t'es vraiment un chien. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ou quoi? Je me suis retrouvé devant une team, gros, une team de deux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh putain, y'a un mec. Je crois que c'est. Il m'a défoncé. T'es où? Attends, je vais mourir. Je suis 0-0. Ok, il est mort. Mec, t'es où? Parce que j'ai fait super mal. Putain, il me reste un cœur. Putain, mais y'en a un, il fait le commentaire dans le chat, regarde. Magic a quasi plus de cœur. Ouais, fais quand même gaffe de pas d'ail du coup, hein, ça serait un peu chiant. Yes. Bah écoute, je vais rester sur cet arbre. Surveille si tu vois des gens autour, surtout qu'en plus c'est une. T'es où du coup? Je suis juste à côté, mec. Vas-y, rode un peu. Moi, ouais, reste c'est en ce haut, que je suis en train de faire, ouais. Si tu vois quelqu'un, t'hésites pas à me dire. Je suis en dessous du spawn là. C'est ça, on n'est pas à coller non plus pour que ce soit plus intéressant. C'est toi là, putain. Mais si tu vois quelqu'un, n'hésite pas à dire. Deux personnes qui sont très faibles en vie. Faut les trouver pour que tu me trouves des gapples. T'inquiète même pas, mec. Je vais te sauver. Si, y'a un mec. Ok. Co, tilt et co, je vais aller direction sud-est. 65, 7. Je vais le tuer, mec. Hein. Tu t'en sors là? Bah, j'essaie de le retrouver, mais. Tente le beau jeu. Je le vois, il est en face de moi. Je le vois. Je vais le tuer. T'as tes co, du coup? 115, 10. Salut! Il est enchanté, mec. Quoi? Ah ouais, il est enchanté, gros. Il a la table d'enchante. Ah! Ah, j'ai la table, mec. Bien joué! Attends. J'ai gardé de quoi faire. Vas-y, viens, on retourne là où j'étais. Ok, nickel. Je reviens au 0-0 là. Mais comment il a fait la table? Ah, y'a un jeune juste à côté de toi, mec. Y'a l'équipe jeune juste à côté de toi. Oh là là! À ta droite, à ta gauche. Effectivement, gros. Vas-y, il tombe pas vite. Voilà, GG. Salut! C'est bon! GG, vas-y. C'est bon, y'a plein de gapples, mec. C'est bon, t'es tranquille. C'est bon, mec, ça se passe. Vas-y, je vais régène déjà avec ces deux-là. Alors, Dwarf? Ça dit quoi maintenant? Y'a un mec. Oh! Il m'a fait trop peur!
Oh, j'ai eu flippé, mec. What the fuck. En fait, tout le monde est en train d'arriver, là. Mec, faut qu'on s'enchante. J'ai eu tellement peur, mec. Je m'y attendais trop pas. Vas-y, j'essaie de faire ça vite. Je vais enchanter vite fait à l'arrache. De toute façon, il manque juste ça. Enchante. En vrai, ça va, on aura récupéré tout sur les gens, c'est cool. Ok, protection. Bon, on n'a pas l'enclume, du coup. Ok, c'est bon pour moi. Et tiens. Putain, mais mec, insane, genre. Ok, bah nickel. Ah, y'a des mecs, là. Y'a des mecs devant moi. Vas-y. Allez, vas-y, on y va. Vas-y. C'est Maxime et... bah, c'est les deux qui étaient en cave, justement. Ils sont en train de se taper. GG. Oh, le bâtard. Il m'enchaîne, hein. GG. Putain, il m'a mis cher, hein. C'est bien que tout le monde ait réussi à faire un petit peu de stuff. Après, nous, on a eu énormément de chat en début de game avec le stuff qu'on a ramassé en diams. Mais par contre, Nocturia, comment t'as fait la taf, du coup? En fonction du stuff, au pire qu'ils ont les derniers, on fera un fight un peu plus... on fait un fight un peu plus tranquille, genre. En vrai, c'était cool de ramasser un peu du stuff de partout et tout. Genre, moi, j'ai cru qu'on allait mourir dans le Nether quand les mecs nous ont rush et tout. Mais après, il y a eu un fight dans le Nether qu'on a plutôt bien géré, je trouve, où j'ai pas pris de dégâts perso. On va avoir du mal à venir. Ah oui, mec, t'as combien de kills? Player kill, moi, je suis à 4. Juste, je m'attendais pas à avoir autant on va de. Avec TP, non. Vas-y, mais en vrai, si tu veux. Attends, on va enlever du stuff au pire. C'est en fonction de leur stuff au pire. La table d'enchant, c'était le vert coloré en jaune. Attends, bah attends, vas-y, bah on enlève une pièce au pire, vu qu'ils sont pas enchantes. Si tu veux faire. Allo, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Allo. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Ouais, vas-y, on équilibre les kills. On équilibre les kills, il a dit. Allez. Ah! Trop fort, regardez, trop fort. Vous avez vu comment il cheat? Bien joué, mec. Bien joué, gros. Bon bah on part sur le... Bien joué, GG. Bah du coup, je finis un demi-cœur, mec. Regarde, c'est sympa. GG. Ouais, bon, c'était cool comme petite game. Ouais, c'était sympathique. J'espère que ça vous a plu quand même, ceux qui ont testé. Après, c'était surtout pour faire tester un peu le mode de jeu. Je pense que la prochaine fois, on pourra tenter peut-être de prendre peut-être plus de gens. Peut-être on fera un FFA. Et on a su prouver encore une fois que nous étions les maîtres du random. Sauf que cette fois, on n'a pas fait dans la demi-mesure. 13 kills, quelque chose comme ça, si j'ai bien entendu. Bref, quelque chose de pas dégueu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous également. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut.